à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler uniquement de cette petite merveille que j'ai donc reçue commandée sur le site de Colourpop entre 45 ruptures je pense. C'est une collection qui est sortie, qui a été très très vite dévalisée, qui est revenue, qui est repartie. Normalement à l'heure où je filme cette vidéo, la collection est revenue, il y a tout un tas de produits dérivés également. Moi j'ai pris que la palette et du coup nous allons en parler aujourd'hui avec deux maquillages. Donc bien sûr j'ai réalisé des swatchs que je vais vous glisser juste après. En attendant je voulais juste regarder un petit peu la palette. Donc déjà elle a été un peu utilisée donc j'ai heureusement pris des photos juste avant. J'adore, je la trouve super jolie. Il y a des petits détails, des petits brillants un peu verts là juste accrochés par ici. C'est un petit détail mais ça fait tout son charme et au niveau des fards c'est juste tout ce que j'aime quoi clairement. On a quand même deux très jolis marrons pour faire des coins externes, des choses comme ça et pas partir dans du 100% vert non plus. Donc voilà, écoutez, on va pas en parler sans s'étendre, je vais plutôt vous laisser. Donc avec le maquillage que j'ai réalisé, vous allez voir par étapes, vous allez voir comment se comportent les fards et dans un deuxième temps, j'ai filmé donc en musique un deuxième maquillage que j'ai pu réaliser au cours de la semaine. Et donc voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Colourpop, mais le retour, ça y est, et c'est parti avec une palette verte. Bon allez c'est parti, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu quand même différent de ce que j'ai pu faire la dernière fois, que vous verrez donc en image. Mais bien sûr je vais rester dans les verts, hein, quoi qu'il en soit. Je vais prendre celui-ci pour le creux, même si c'est un fard mat avec des paillettes, une fois qu'on les place. Comme d'habitude, la plupart de ces fards, on ne voit plus les paillettes en fait concrètement. Je l'avais utilisé un petit peu dans l'autre make-up, on va voir ce qu'il donne, on va essayer le creux avec. Alors bien entendu ça le rend hyper poudreux, hein. C'est souvent comme ça, ces espèces de fards avec paillettes, j'espère qu'il n'y aura pas trop de chute. Alors ça va, en termes de chute, ça va à peu près, il y en a un petit peu quand même hein, qui sont tombés, c'est un très joli vert. Par contre dans la palette ça le rend, voilà, ça se casse complètement et ça fait beaucoup beaucoup de chute autour, mais en le travaillant comme ça, c'est qu'il est super joli quoi. Alors on voit quand même quelques paillettes qui restent un peu accrochées. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'ils comprendront un jour que ces fards ne servent à rien. Ils sont jolis la plupart, mais mettre des paillettes dedans, on les voit un petit peu. On les voit un tout petit peu, mais c'est vraiment léger. Hein. Donc voilà, je suis venue travailler le fard de manière assez étirée, j'aime beaucoup, beaucoup ce vert, c'est vraiment entre le kaki et le vert classique. Au niveau du creux, alors je sais pas sur le creux ou si je le fais sur toute la paupière, j'hésitais à faire ça. Ouais, je pense que je vais plutôt partir sur les trois quarts de la paupière, une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur, et c'est au centre que j'intégrerai autre chose je pense. Du coup je vais plutôt prendre un pinceau plat et je leur montrerai quand même un petit peu dans le creux. Celui-ci aussi, il est très très joli, donc plutôt un vert un petit peu sapin. Très très beau. Et je vais le ramener un petit peu au niveau du creux aussi. On va en mettre un peu à l'intérieur de l'œil. On est parti dans l'esprit un petit peu sapin de Noël, hein, en termes de couleur, mais j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est une couleur que j'aime beaucoup travailler. Du coup, donc je vais le repasser un petit peu au niveau du creux et après on va regarder ce qu'on va faire au milieu. Donc pour le milieu, je vais d'abord utiliser celui-ci que j'ai aussi utilisé dans l'autre make-up. Il est juste sublime. Celui-là, c'est un vert kaki froid. Il est juste dingue, dingue, dingue. Mais je l'ai utilisé dans l'autre, donc aujourd'hui on va repartir sur ça et je pense qu'après j'intégrerai un petit peu de doré. Alors même les fards lumineux se prélèvent super bien au pinceau, ça se passe vraiment très très bien. On peut avoir un tout petit peu plus d'intensité en utilisant le doigt, mais franchement au pinceau c'est déjà très très bien. Vous voyez que déjà on a une belle
une belle couleur lumineuse. Donc je vais quand même en prélever un tout petit peu avec mon doigt pour l'intensifier. C'est toujours un petit plus. C'est trop trop beau. Et je vais venir le refondre avec le vert sapin pour qu'il y ait une jolie transition. Pour lui apporter un dernier petit coup de peps, je vais venir prendre le doré, qui est super joli aussi. Il a des reflets à l'intérieur, super beau. C'est même un fard qui peut être très très bien seul sur la paupière. Et là, je vais simplement, vraiment au milieu, illuminer l'autre. Je trouve que ça fait tout de suite un petit coup d'éclat. Donc voilà ce que ça donne du coup, j'adore vraiment, je trouve qu'on peut faire plein de dérivés de verre malgré tout. Les marrons, je ne les ai pas encore énormément utilisés, mais ils sont super bien pigmentés, ça fonctionne super bien. Aussi au niveau des swatchs et tout, c'est très très bien. Je vais maintenant prendre un petit peu de temps pour tout estomper, puis on va regarder ce qu'on va faire en bas. Du coup, au niveau de la partie inférieure, j'ai bien envie d'essayer quand même de mettre le vert sapin à peu près partout et au centre faire un espèce de rappel avec ce que j'ai fait en haut. Peut-être juste en utilisant le doré, je vais voir. J'ai bien envie de tenter ce vert sapin en bas. Avant d'intégrer une autre couleur, je vais venir prendre un crayon Kohl. Donc ce sont les waterproof de chez Bourjois qui sont super bien. Ils sont un petit peu métalliques en plus. Donc là j'ai la version kaki, ça tombe à pic. Je vais en mettre en muqueuse. Donc voilà, du coup finalement. Finalement, je pense que je vais reprendre le lumineux vert comme ça, que je vais passer par-dessus le vert sapin et on verra plutôt au niveau du coin interne pour remettre du doré, je pense. Oui, c'est très bien comme ça. Je pense que c'est très bien comme ça. Et le doré, on va venir quand même en insérer un petit peu à l'intérieur, comme ça va bien illuminer. Je n'ai pas encore trop utilisé celui-ci qui est très très clair. Il est super joli, j'hésite encore. Parce qu'il a quand même un joli sous-ton jaune aussi, et ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal aussi. Hein, on va le tester, comme ça permettra de tester une autre couleur, vu qu'on a déjà vu le doré. Donc lui, je pense que je vais le prendre avec un embout mousse. Il ne fait pas du tout de grain ni de chute, mais je pense que ce sera quand même plus intense. Donc c'est parti. Alors, il est dans la catégorie des toppers, mais c'est quand même un topper avec une intensité, je trouve. Idéal pour cette partie de l'œil. Je trouve qu'il va super bien à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous le voyez aussi bien que moi. Il est un petit peu en transparence, mais il y a quand même. En fait, la transparence, c'est dans les reflets, quand vous voyez la partie pailletée, la partie jaune. Il est super sympa. Il fait quelques toutes petites chutes. C'est pour ça que je voulais le prendre avec l'embout mousse. J'ai quelques petites paillettes qui sont venues, mais on va nettoyer. Mais ça reste tout à fait raisonnable. Au niveau d'un éventuel rat de cils, thread liner ou quoi, je pense que je vais combiner, je vais démarrer une base avec un crayon marron et par-dessus je vais venir utiliser ce fard. Je l'avais fait dans l'autre make-up aussi, ce qui est très très joli. C'est un brun vraiment très très chaud et il est très très joli pour foncer un petit peu la base des cils. Donc on va faire ça. Voilà du coup ce que ça donne. J'aime beaucoup. Ça fait une teinte vraiment très très chaude par-dessus, parce qu'il faut quand même qu'il puisse se voir. Avant de passer au mascara, je vais faire une tentative de prendre celui-ci que j'ai mis donc en coin interne et en mettre un tout petit peu vraiment sur l'extrémité du sourcil. Je veux pas que ce soit trop intense non plus. Je vais voir ce qu'il donne. Ça fait vraiment un dépôt de. Quand c'est à plat comme ça, on voit un petit peu plus les paillettes, donc on va y aller léger. Voilà, c'est juste histoire de donner un reflet. Voilà, c'est pas hyper intense, mais comme c'est très très pailleté, je veux pas que ça le soit non plus. On va passer au mascara, comme ça on se rendra un petit peu plus compte du résultat. Bon voilà, j'en ai terminé avec les yeux. Il va nous rester quand même un petit rouge à lèvres, mais on va prendre le temps de regarder un petit peu ce que ça donne cette palette. Écoutez, c'est le deuxième maquillage que je réalise avec. Et j'en suis franchement contente. Je pense que j'ai encore pas mal de possibilités. Comme je vous disais, au niveau des marrons, j'ai pas fait. Alors après, les marrons, c'est ce qui revient beaucoup dans les palettes qu'on a tous les jours. Mais je pense qu'il y a pas mal de petites choses à faire. Et ce que je vous disais, c'est que celui-ci, il est juste dingue. Et je pense que c'est un fard que j'utiliserai vraiment seul sur la paupière. J'adore ce genre de couleur froide un petit peu.
avec un sous-ton vert. C'est des choses qu'on ne trouve pas souvent. Et il est vraiment superbe. Avec un petit creux de paupière, je pense que ce sera super joli. On va se faire un petit zoom pour garder ça de plus près. Et donc voilà, pour les lèvres, j'en profite pour faire une parenthèse, je reporte beaucoup cette teinte-ci, alors j'en ai des similaires, hein, mais ce sont ceux de chez Kat Von D, en fait, c'est un des derniers produits qui est sorti avant qu'elle revende sa marque, il me semble. Et ce sont les Vinyl Lip Cream, donc ce sont des espèces de lacs à lèvres, mais avec une texture très très onctueuse et une opacité assez impressionnante. Je vais vous refaire un swatch sur la main. J'ai plein de swatchs parce que j'ai eu du mal à me décider. Et ça donne ça, vous voyez qu'en termes d'opacité, c'est juste fou. Donc ce n'est pas quelque chose qui ne bouge pas, ça s'estompe quand même proprement. Mais j'adore le côté un petit peu repulpant. La teinte est juste sublime. J'en avais pris deux, je crois. Et c'est vrai que c'est une gamme de rouge à lèvres que j'ai pas forcément beaucoup entre la laque et l'effet crémeux, en fait. Ça transfère, hein, comme je le disais, ça c'est clair, mais c'est vrai que c'est un produit que j'adore porter et je trouve qu'il est, il est vraiment super joli. Donc là, pour le coup, je porte la teinte Blossom. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je pense qu'ils sont encore disponibles. J'avais dit d'ailleurs que je regarderai pour d'autres teintes. Entre-temps, j'ai fait autre chose, on va dire, avec les Charlotte Tilbury particulièrement. En tout cas, voilà, j'en ai terminé pour ce maquillage. Je me suis dit que du nude, ce serait pas mal puisqu'on a quand même bien chargé les yeux, même si le vert, voilà, ça reste un vert quand même assez, assez doux, assez... J'aime beaucoup, je suis franchement ravie d'avoir ce type de palette dédiée avec ce genre de couleur. C'est vraiment, vraiment un gros, gros coup de cœur. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous laisse juste à suivre le deuxième maquillage que j'ai réalisé avec la palette qui confirme que c'est un gros coup de cœur. Et en attendant, je vous dis à une prochaine vidéo et passez surtout de bonnes fêtes. Bisous !